which rider is going to be at the start. Here we go. Christian Prudhomme drops the flag. We're underway in the 120th edition of Paris-Roubaix. 256.6 kilometres to go, and we're going to find out where the attacks start and who is going to get involved in the action. First attack of the day, Israel Premier Tech looking to get themselves into the moves. What is your best memories of Paris-Roubaix? A victory, definitely victory. And the worst? Crashes, flat tires, rain, mud. Yeah. It's a special one? It's a special race? So, well, it's very special because you never know what can happen. You never know until finish line. Thank you very much. Yes. Bonjour, Wout. D'abord, comment ça va? Est-ce que vous serez à 100% au départ demain? Peut-être pas à 100%, mais j'espère très proche. Après mon chute à Tour de Flandre, c'était un peu difficile cette semaine. J'aime soigner le plus possible, le meilleur possible. Donc on va voir. L'an dernier, je crois que c'était l'an dernier, vous sortiez du Covid avant Paris-Roubaix, vous avez fini deuxième. Voilà, est-ce qu'il y a quand même une part de bluff dans ce que vous faites? Pas de bluff, mais je c'est vrai, j'espère le même comme l'année passée. C'était aussi difficile pour moi de savoir comment je sens dans la course. À la fin, c'était très, très bien et peut-être un peu plus frais que les autres parce que la coupure avec Covid. Mais cette année, c'est une autre chose. J'espère juste d'être là ensemble avec mes coéquipiers et faire le final. C'est avec beaucoup d'envie, bien sûr, et c'est un peu la clôture du printemps pour les coureurs classiques. Pour lui, c'est un premier Roubaix et c'est une course qui va lui convenir beaucoup, je pense. Donc c'est avec beaucoup d'excitation, un petit peu d'appréhension quand même. Bah, moi, je me sens plutôt bien, je suis plutôt heureux d'être au départ de cette belle course. Comme l'a dit Oli, ouais, c'est une course vraiment atypique où il y a le facteur chance qui rentre en jeu et plein d'autres facteurs aussi qui peuvent avoir une course vraiment avec beaucoup de rebondissements. Donc voilà, j'ai hâte d'être sur mon premier Paris-Roubaix chez les pros. Et à l'arrivée de la Trouille à Robert, on se sent comment là? Normalement, bien, mais franchement, sur toutes les fois que j'ai fait, je suis déjà arrivé avec plein de sang sur mes maillots. J'ai déjà eu plusieurs crevaisons avant, parfois. Je suis arrivé sans que rien m'arrive. Je ne pense pas que j'ai déjà su passer la Trouille d'Arenberg une fois sans devoir changer de vélo. Donc, c'est pas avec la super grosse envie que j'aborde ce secteur en particulier, mais le reste, ça va mieux. Et toi? Bah, moi, ça me met un petit peu d'appréhension quand même. C'est vrai que j'ai fait la première fois à l'Arco et c'est un beau chantier. Donc voilà, je pense que je ne suis pas encore vraiment préparé mentalement et physiquement pour rentrer à 60 km/h dans la Trouille. Mais on va donner le meilleur pour l'équipe et on espère que ça ira bien. Merci. Hop là. Est-ce que le Paris-Roubaix, c'est une course comme les autres? Bah non, forcément non. Il y a 42 km de pavé, donc c'est une course unique. C'est voilà, une course qui m'a toujours fait rêver. Donc non, pour moi, il n'y a aucune course qui arrive à égaler Paris-Roubaix. Même le Tour des Flandres, ça reste en dessous. Vous qui êtes un sprinteur, un finish sur le vélodrome au sprint, ça serait bien? Ouais, j'espère que ça m'arrivera un jour, peut-être demain, peut-être une autre année. J'espère vraiment que ça m'arrivera un jour. Et surtout pour la victoire, parce que voilà, on peut arriver au sprint pour n'importe quelle place. Après, voilà, déjà d'arriver sur le vélodrome, c'est déjà super. Voilà, j'ai fait plusieurs fois et c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, voilà, j'espère vraiment arriver un jour pour la gagne. Merci. À 24 heures du Paris-Roubaix, du départ, là, on se sent comment? On est content, on est encore assez détendu et la pression va monter gentiment, mais on est surtout pressé d'être au départ. Ouais. Est-ce que c'est une course comme les autres? Non, c'est pas une course comme les autres, c'est une course particulière. Et moi, c'est un peu ma course de cœur, la course que je préfère. Donc, je l'attends toute l'année et je me prépare tout l'hiver en pensant à cette course-là. Donc, ouais, c'est pas une course comme les autres. Comment on se sent quand on arrive au Vélodrome? Ah, c'est toujours très particulier, faire une arrivée sur un vélodrome rempli de monde après avoir bataillé toute la journée sur son vélo pour en arriver là. On a toujours des frissons et
Ah, c'est vraiment un plaisir et une chance immense d'arriver jusqu'au Vélodrome. Ouais. Merci. Bah, motivé, hein, c'est la dernière classique, on va dire flamande. C'est la dernière d'un gros bloc de course. Et bah, je crois que c'est celle qui me correspond le mieux, donc super motivé. Vous êtes préparé ? Bah oui, oui. Enfin, on a déjà fait les reconnaissances et tout ça. On a déjà testé le matériel parce que c'est pas pareil que sur les autres courses. On a un matériel un peu différent, un peu plus adapté au pavé. Donc oui, on est prêt. Ouais, ça a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On finit avec des douleurs, mais vraiment partout. Que les courses, les autres courses, c'est juste les jambes. Là, c'est tout le corps qui subit. Et il faut, c'est beaucoup le caractère. On sent comment là, 24 ans de la course ? Bah, on se sent bien. Voilà, donc on verra demain. Et quel est votre secteur le préféré ou le pire ? Ah, c'est vrai que bah, les secteurs les plus étoilés, justement, entre Templeuve, le Carrefour de l'Arbre, même la Trouée d'Arambert, sont vraiment des endroits cruciaux pour la course et difficiles. Donc, à partir de là, faut être vigilant là-dessus. Et comment on se sent quand on est sur le pavé, par exemple, sur la Trouée d'Arambert, physiquement ? Bah, ça dépend d'où on se situe. Donc, voilà, plus on est à l'avant, mieux justement on se sent. Après, plus on est à l'arrière et on a la pression, justement, de justement bien faire et de rattraper son temps de retard. Donc en fonction de là où on se trouve, on peut être différent. Il y a une préparation spéciale pour le Paris-Roubaix ? Oh,